Mungu awabariki. Tant que vous êtes debout, on va directement lire la parole. Wakati mungali wima tusome mara moja neno. Kutuma Exode chapitre 5. Tunabeba kutoka sura ya 5. Verset 3 jusqu'à 8. Mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Akasema Mungu wa Ibrania ametuonekania. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Kuturusu twende tangu usiku 3 katika jangwa. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Kusudi tutoe dhabihu kwa Bwana. Afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'ou de l'épée. Ili Bwana wetu asituangukie kwani tu asituangusie kwetu mapigo. Et le roi d'Égypte leur dit, Mfalme wa Misri akawaambia, Moïse et Aaron, Musa na Aroni, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Munafungua watu katika kazi zao kwa nini? Allez à vos travaux. Kwendeni zenu kwa makazi zenu. Pharaon dit, Pharaon akasema, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Tazama watu hawa ni wako wengi katika inchi. Vous lui feriez interrompre ses travaux. Na mnawapunguzia kwa mizigo yao. Et en ce jour même, na siku yenyewe, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Pharaon akagiza wasimamizi wa watumwa na watu wakubwa wa. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Hamwata wapatia watu tena majani kwa kufanya matofali kama zamani. Même ramasser de la paille. Waende na kujitolea majini wenyewe. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques. Lakini mutawapatia watengeneze sehemu ya matofali. Qu'ils faisaient auparavant. Kama walikuwa kifanya zamani. Vous ne retracherez rien. Hamutawapa hata kitu. Car ce sont des paresseux. Kwa sababu ni wavuvi. Voilà pourquoi ils crient. Ndio maana wanalalamika. En disant, wakisema, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Wataenda kutolea sadaka kwa Mungu wao. Nous lisons encore Exode 8, 21 à 24. Tusome tena kutoka sura ya 8 21 22 na 4. Exode 8 kutoka 8 à 24. Kutoka 8 21 22 na 4. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, au kama hawache watu wangu waende, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi. Tazama nitatuma makundi ya mainzi juu yako. Contre tes serviteurs. Juu ya watumishi wako. Contre ton peuple. Na juu ya watu wako. Et contre tes maisons. Na nyumbani mwako. Le maison des Égyptiens. Na nyumba za Wamisri. Seront remplies de mouches. Zitajaa kundi ya mainzi. Et le sol en sera couvert. Na inchi yao vile vile itajaa. Mais en ce jour-là, na, ile, tazame ile siku, je distinguerai le pays de Gozen, siku ile inchi ya Goseni, où habite mon peuple, bahali watu wangu wanapoka, et là il n'y aura point de mouche, na hata hakutakuwa ta inzi, afin que tu saches que moi l'Éternel, ili wewe ujue kama mimi Bwana, je suis au milieu de ce peuple, niko katikati ya ile taifa. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Na nitaweka tofauti kati ya watu wangu na watu wako. Ce signe sera pour demain. Na kesho alama hii itakuwa. L'Éternel fit ainsi. Bwana akafanya hivi. Il y vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon. Makundi mazito za inzi zikamtia nyumbani mwa Farao. Et de ses serviteurs. Na nyumba wa watumishi wake. Et tout le pays d'Égypte. Na inchi yote ya Misri. Fut dévasté par les mouches. Ikajazwa na mainzi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki usome neno lake. Vous asseoir. Ketini. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. Magatena, Bwana wabariki. Est-ce que vous avez la joie ce soir? Yeti mko na furaha jioni ya leo. Amen ni fole sana. Unampenda tena mara moja Bwana.
encore de sa présence. Malgré le climat dérange tellement, mais Dieu met toujours la soif dans ses enfants pour venir écouter la parole. Dans la prédication 70 de Daniel, un jour les gens ont adoré. Dans un stade, ils attendaient Frère Branham sous la pluie. Katika kiwanja kya kabumbu wakamngojea Branham katika mvua. Frère Branham dit, notre foi, notre religion ne tient pas compte de menaces des intempéries. Kama imani yetu haisimamie kumatukio. Nous, ama hali. L'objectif. Sisi ni fukuzio tu. Et nous devons aller adorer et écouter la parole. Tunapasha kuenda kuabudu na kusikia neno. Donc, comme tu es là ce soir. Basi vile uko hapa jioni ya leo. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu akubariki kitajiri. Amen. Amen. C'est merveilleux d'être dans sa présence. Ni masajabu kwa katika uwepo wake. Nous sommes en train de parler sur ce grand et profond enseignement. Tuko nasema juu ya hii mafundisho makubwa tena ya uketo. Ça demande que vous soyez là. Na inaomba vous suivre ces choses. Moko hapa kusudi mfuatilie vitu. Ça contribue pour notre marche. Na inasaidia kwa mwenendo wetu. Nous parlons sur l'exode. Tuko nasema juu ya kutoka. Très capital. Ya lazima sana. Même la marche de l'église. Katika mwenendo wa kanisa. La venue de Frère Branham. Fukuzio ya kuja kwa ndugu Branham. Pour le troisième exode. Ni juu ya kutoka ya tatu. Pour sortir le peuple. Kusudia kutosha taifa. Dans ce monde chaos. Katika hii dunia ya kabisa yuko chini sana. Hii dunia imegeuzwa. Dans ce monde corrompu. Hii dunia kabisa imeoza. Dans ce monde de cosmos. Hii dunia kabisa ma cosmos. Dans ce monde de francs-maçons. Hii dunia kabisa ya francs-maçons. Illuminati. Kaya ni dunia watu wabaya. Les homosexuels. Hii dunia washoga. Wale watu fasi yote bila vitu. Mama nasema kama zambi inalalaka mpaka juu. Inaandikwa tena kuchinini. Kila magazeti. Kila kikanisa. Kwa kila ufalme wote. Kila kabisa mamlaka yote. Fasi yote kabisa ni zambi. Na Mungu avait besoin d'avoir un peuple. Alipasha kuna taifa. Qui devrait porter son nom. Ile lipasha kupeleka jina lake. Amen. Amen. Et ce peuple. Na hiyo taifa. Devrait sortir. Ilipasha kutoka. Devrait quitter. Ilipasha kutoka. Tradition de ce monde. Katika matengenezo ya bila vyote. Pour cela. Na kwa ajili ya ile. Il a fallu un exode. Ilomba kutoka. Et l'exode. Na kutoka. Demande toujours un prophète. Inalomba kila wakati un kuna nabii. Prophète de Dieu. Nabii Mungu. C'est celui-là qui vient. Ni yule ndio anakuja. Pas par sa propre volonté. Hapana kwa mapenzi yake mwenyewe. Ni par sa propre puissance. Wala kwa uwezo wake mwenyewe. Mais par la puissance de Dieu lui-même. Uwezo wa Mungu yeye mwenyewe. Pour libérer un peuple. Anakuja kutomboa taifa yake. Et de lui amener à un exode. Na kuipeleka kwenye kutoka. Amen. Amen. Et c'est comme ça que l'église quitte le monde, inatoka dunia, se sépare inachana, pour commencer l'exode. Et Frère Branham dit, ce livre d'exode, c'est l'un de mes livres favoris ni kitabu kimoja cha vitabu vyangu vipendeleo sana, de l'Ancien Testament. Ya Agano la Kale. Il a beaucoup parlé de l'exode. Alisema sana kuhusu kutoka. Il y a trop de prédications. Mahubiri mengi sana. Qui ont été prêchés. Ile ilihubiriwa. Dans ce livre. Kutokea kitabu. D'exode. Ya kutoka. Et aujourd'hui. Na leo. Je pense que nous voyons le quatrième point. Na wazia tutaona ile nukta ya ine. Parce que on a parlé sur trois points déjà. J'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est nous avons parlé. Tulisema juu yake. Et nous avions vu aussi le deuxième point. Na tuliona nukta pili. Et le troisième. Na nukta ya tatu. Aujourd'hui, c'est le quatrième. Leo sasa nakuwa nukta ya ine. C'est trois journées de marche. Dans les déserts. Mwenendo tatu, mwenendo ya siku tatu katika jangwa. C'est ce que Moïse est venu dire à Pharaon.
L'Éternel lui a demandé de quitter, de partir. Et quand ils sont venus, ils lui ont adressé cette parole. Dans le verset 3 d'Exode 5, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Parce que le voyage, il suffirait seulement 3 jours. Ce n'était pas un voyage qui devrait prendre beaucoup de temps. C'était un voyage de 3 jours. Abraham dit, l'Égypte et Canaan, c'est un voyage de 64 kilomètres. C'était juste, je pense mieux que les bons piétons. Il peut marcher même cette distance par jour. Il y a des gens ici sur la terre qui peuvent marcher 60 km par jour. Amen. Ils sont là. Ils peuvent marcher comme ça lentement. Et aller très loin. À pied. Mais Branham dit, dans la prédication, là où je pense, ou dans se tourner vers le nord, il dit, comme ils avaient des femmes et des enfants et le bétail, la grande richesse, alors ils pouvaient voyager dès à 3 jours. Et ils devaient arriver à Canaan. Mais écoutez, le chemin dans lequel Jacob était venu avec sa famille pour arriver en Égypte, ils vont se faire seulement quelques heures. Quand Joseph a découvert ses frères et que Joseph na Yusuf a crié, le pharaon lui a demandé, au lieu qu'il fasse de va-et-vient, faites-le venir ici. Apa. Joseph a envoyé des chars. Jacob est venu. Jacob a la Bible dit 66 personnes. Ils ont fait un voyage désert. Donc, quand vous arrivez à l'Égypte, pour aller en Israël, la frontière, frontière il n'y a pas quelque chose de grave. C'est juste la frontière. Il est frontière et tout. Il devrait seulement retourner par ce chemin-là. Na wali pacha tu kurudia kwa ile njia moja moja. 4 kilomètre. Kilomètre 64. Kile separe. Ilikuwa na wachanisha. Mais à la sortie, ini mkutoka. Pendant qu'il sortait, wakati alikuwa kitoka. Moïse, Musa, ne pouvait pas se conduire lui-même. Hangeweza kuchomboza mwenyewe. Wake ile tele guide. Kama alikuwa kiongozi. Et il suivait la colonne de feu. Kile yeye alikuwa kifuata nguzo ya moto. Mais au lieu que la colonne de feu. Bali basi nguzo ya moto. Prends le même chemin. Kamata njia moja moja. La colonne de feu change le chemin. Inabadilika, inabadilisha njia. Le problème de Moïse. Na shida ya Musa. Suivre la colonne de feu. Kufuata tu nguzo ya moto. Mais la route est ici. Cheko pale. Mais il prenait une autre direction. Lakini anabeba njia ingine. Alors le peuple, sa taifa, derrière Moïse, il faut Musa nyuma. La Bible dit, Biblia nasema, 3 jours de, siku tatu za mwenendo za safari. Mais regardé, lakini mwakangalia, allez ressorti, mukutoka kwabo. Je vous avais dit le jour là, il wambia le siku ile, au début de le, Moïse a conduit combien? Kumwanzo kama Musa alikuwa watu ngapi? 2 millions. Il fallait le tableau, le tableau c'est bien. Il ilomba kabisa kibao hapa. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait écrire. Kuna vitu vingine tunapasha kuchapa kuandika. Inalomba kabisa kibao. Donc il a conduit 2 millions. Sawa aliongoza milioni ya watu 2. Dans le livre de Lévitique, katika kitabu cha Walawi, la Bible reconnaît 600,000 Hébreux. Inajua milioni 16. Et 16. Et frère Branham dit, 1,400,000. Sasa milioni makumi ine, mia ine, le ramassis. Walikuwa tu wakufuatilia tu. Parce que Dieu pouvait accepter que il fasse 3 jours à Canaan avec tout ce groupe là. Mungu angeruhusu afanye safari ya siku tatu na ile kundi yote. Ça devrait être un désordre au Canaan. Ililomba kabisa iko fujo kabisa. Quand Dieu a regardé, wakati Mungu aliangalia, non, akasema hapana. Il
Il change la route. Anabadilisha njia. Dans le désert. Katika jangwa. Pour nettoyer les ramassis. Kusudi asafishe, atoshe wale wa kufuatilia wote. Wale wa kufuatilia. Kwa sababu alipasha kwenda Kadani. Kusudi wafanye mvurugo kule. Bia nasema. Si Dieu continue à garder l'église. Kama Mungu anaendelea kulinda kanisa. Si nous continuons. Kama tunaendelea. C'est parce qu'il faut que le pourpier vienne. Ni kwa sababu kuna lomba ile pourpier ikuje. Et vous savez quand il prend le pourpier. Na mnajua wakati anabeba ile ucha. Anaanza sasa pale kutosha mchele. Kile yote kiko ile mngano ya mchele ile. Fakite le pourpier. Itatoka pourpier. Amen. Amen. C'est seulement ceux qui ont des grains. Ni wale tuko na ile pourpier. Chao watabakia mpourpier. C'est ce que le moissonneur fait. Yule ndio mvunaji anafanyaga. C'est ce que Dieu fait aussi. Ndio Mungu anafanya pia. Les gens seront éliminés. Watatoshwa, watatoshwa. Que la pyramide se redresse. Kama sasa kama piramidi iko na kila goja. Makundi kadogo tu. C'est comme ça vous voyez aujourd'hui. Vous n'allez même pas croire les choses que nous voyons dans les messages. Vous ne pouvez pas imaginer que cela pouvait être. Mais vous les voyez quand même. Qu'est-ce qui arrive? Sasa, il y a quelque chose qui kuna va mal. Kitu vizuri. Ils ont erré dans le désert. Waliangaika katika jangwa. Un voyage de 3 jours. Safari ya siku 3. 40 ans. Miaka 40. Sans arriver. Bila kufika. Seulement comme ça. Wako tunazunguka tu fasi moja. Le pays est ici. Ichi go tu karibu. Amen. 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 40 ans. Miaka 40. En train d'errer. Wako tunahangaika fasi moja. Dans le désert. Dakika jangwa. Avec beaucoup de problèmes. Na mambo mengi, shida nyingi. Trop de problèmes. Shida nyingi kabisa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie tu. Ils ont connu trop de problèmes. Waliona magumu mingi sana. Dans ce qui était arrivé. Ma kile kilifikia. Pharaon. Pharaon. A joué sa rise. Akacheza ujanja wake. Ne plus libérer Israël. Jua siache Israël yende. La mené sa rise, sa rise, sa rise. Akaleta ujanja. C'est Dieu lui-même qui faisait ça. Ni Mungu mwenyewe alikuwa akifanya vile. Un homme dit c'est Dieu qui endurcit son cœur. Kama anasema ni Mungu ndiye alifanya moyo wake kuwa mgumu. Il parle à Moïse. Anasema na Musa. Anaacha Musa anena kwa Farao pia. Anasema usikubali bya Musa. Na Farao angepasha kukubali. Kulikuwa tu vitu vya vile. Pharaon a demeuré dans cette rise. Na Pharaon kabaketu mwele ujanja. Jusqu'à sec. Paka wakati. Il devrait donner le verdict final. Alipasha kupana basi oda ya mwisho. Il devrait donner l'ordre. Angepasha kupana oda. Il devrait accepter. Angepasha kukubali kama taifa itoke. Il devrait l'amener. Sasa Mungu alipasha kumupeleka. Parce que Dieu avait promis. Kwa sababu Mungu alilaka. Moi-même je descendrai. Mimi mwenyewe ndashuka. Je la jugerai. Na mimi la génération à laquelle. Na hukumu ile le pays, kizazi, la nation à laquelle. Taifa, ils seront assujettis. Israël itakuwa watumwa wake. Dieu avait promis cela. Mungu alilaka ile. Et Dieu voulait une délivrance totale. Mungu alipenda ukombozi kamilifu. Pharaon a joué trop de manœuvres. Pharaon akacheza kabisa majanja. Akachanja huko. Vous partez. Akacheza ujanja. Wao ninyi muende, mwache watoto wenu na mwache tena mali yenu. Tu wakati alijua wakati zile naenda. Wakakumbuka tu watoto wako pia watarudi. Ila ungorodi. Sasa kawaambia ninyi muende, mwache mali yenu. Mama anasema kama ilikuwa tu kabisa ujanja. Akamwambia mwende adore pendant 3 jours. Mwende mwabudu siku 3. Pia tena murudie. Moïse. Musa. Était ferme. Alikuwa na simama imara. Na nilijua nani alikutana na yeye. Pas question. Asema hakuna swali jamani. Nous ne laisserons rien. Hatutaacha hata kitu kimoja. Tutatoka na vyote. Nous partirons. Na tutaenda. Jusqu'au pays. Paka katika nchi. Question d'aller revenir. Hakuna kwenda na kurudi tena. Nous sortirons avec. Tutatoka na vyetu vyote. Que la délivrance soit ukombozi kwe yote kamilifu. Dieu a besoin d'une délivrance totale. Mungu iko na lazima na ukombozi kamilifu. Que votre vie ait une délivrance totale. Maisha yako ikuwe na ukombozi kamilifu. Pour plaire à Dieu. Kusudi pendeze Mungu. Frère Branham dit. Adama anasema. Dans la prédication une délivrance totale. Katika mahubiri ukombozi kamilifu. Le 12 juillet 1959. Ilihubiri wa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 59. Paragraphe 80.
kifungo makumi nane jusqu'à 82 paka makumi nane na mbili le 12 juillet 59 il y a bidé wa tarehe 12 Pharaon a accepté de donner son accord Pharaon kubali kuitika en disant mukusema Moïse Musa vous pouvez tous partir unaweza kuenda eh na mais laissez vos enfants lakini mwache watoto wenu ou plutôt laissez une partie de votre bétail après vous mwache sehemu ya nyama zenu hapa c'est ainsi que le diable veut que les chrétiens viennent vile ndio shetani anapenda wa Kristo wakuje ce sera très bien itakuwa vizuri que vous deveniez membre de l'église mkuwe tuona memba wa kanisa mais ne pardonnez jamais à votre voisin lakini msimusamehe jirani yako il n'y a pas de problème hakuna mambo si vous pouvez y amener votre kama unaweza kuleta si vous pouvez aller kama unaweza kuenda vous n'êtes pas obligé d'abandonner la cigarette au lazimishe kuacha sigara yako la boisson wache pombe le mensonge wache bongo le phone wache wizi le critique wache masemekano la médisance usiwe kutetana vous n'êtes pas obligé d'abandonner cela kuacha bila vyote joignez-vous seulement à l'église jiunganishe tu na kanisa et continuez à na wewe pia unaendelea kusonga mbele gardez tous vos habitudes uline tu tabia zako avec le tout tembea na vyote c'est ce que le diable fait il veut que l'église demeure comme ça anapenda kanisa ibaki hivyo comme on se joignait oh mujungane tu c'est fini na bila ishia pale membre de l'église mwana membre wa kanisa mais la vie de la parole lakini maisha neno il y en a pas hakuna kabisa sufuri mwana anasema si vous travaillez dans la perte kama ukitumika katika pek c'est pas bon pour un chrétien haiko mzuri katika mkristo quand vous travaillez wakati unala tumika on doit vous payer parce que le wakati, travail que vous faites wakati unatumika unalazimishwa kulipwa kwa sababu kazi unatumika Dieu est à l'intérieur de ça Mungu iko ndani ya ile kazi Dieu aussi a sa part pia Mungu kuna sehemu yake mais si vous faites un travail sasa ukifanya kazi où il n'y a pas un salaire pala kuna kazi kuna malipo acha kazi ya vile bwana ce n'est pas un bon travail si kazi nzuri ile Abraham dit ne travaillez pas Abraham anasema usitumike donc vous n'êtes pas payé kama habakulipe amen. Amen on lui a posé la question est-ce qu'un chrétien peut travailler et il dit s'il y a quelqu'un anasema, qui peut travailler c'est un chrétien sana, parce que quand un chrétien travaille tu travailles avec Dieu na Mungu. Dieu a sa part Mungu kuna sehemu yake. Le travail de critique kazi ya kusema. Vous avez eu quel salaire? Ulipata basi malipo gani? Depuis que vous avez critiqué. Tangia unaweza kusema na vibaya. Vous parlez mal. Ukasema vibaya mtu. On ne vous a jamais payé. Ama kulipa kati kitu. Tu ne peux pas arrêter un tel travail. Hawezi kuja kazi ya vile. Ce travail vous rapporte quoi? Ile kazi inakuletea nini? On fait un travail. Unatumika kazi. Ou à la fin. Pale kwenye mwisho. Vous allez gagner quelque chose. Unajua kama utapata kitu kidogo. Vous parlez mal. Unasema kavi baya tu. Médisance. Usema kutetana. On est toujours dans ces choses. Uko tu mabile bitu tu kila siku. Ma. Sasa. Ma sœur, mon frère. Dada yangu ndugu yangu. La rivière est encore dans toi. Sa mto ingani ndani yako. C'est pas encore sorti? Bado kutoka. Parce que ça ne vous rapporte rien. Kwa sababu haikulipe kitu. Vous devez quitter ça. Unapasha kuacha vitu vile. Nous sommes obligés d'abandonner. Tunalazimishwa kuacha vitu vile. Ces choses. Vile vitu risqueront de nous fermer le chemin. Bita jaribu hata kutufunga njia. Et avoir des ennuis à la rivière. Na kumwisho kubahari kule kwenye mto tunapata mambo kule. Nous sommes une famille. Tuko jamaa. Devons manifester l'amour de Dieu. Na pia tunalazimisha kuonesha mapendo ya Mungu. Faut abandonner ces choses. Tuache vitu ya vile. Ça n'amène rien. Hailete kitu. Ça n'a pas d'intérêt. Haifaidie kitu. Devez laisser cela. Na pasha kuacha ile. On peut se étonner qu'aujourd'hui, les gens de choses comme ça. Wewe ushituka vitu ya leo. Na kuja kanisa, lakini awache sigareti yako. Wewe trouve que y a un frère qui continue. Unaona tu ndugu angalia hapa, ngana kunywa pombe, ngana vuta bangi. Jusqu'à maintenant. Paka wakati wa leo. Dans un coin ibwa. Mule mkono yake kule kuna kunywa. Jusqu'à preuve. Jusqu'à là où nous sommes. Paka hapa.
J'avais encore le désir de boisson, de fumer. Peut-être je pensais que ces choses ne sont plus. Mais quand je suis arrivé à Gemena, je prêchais, je passais. J'étais en train d'enseigner sur l'indifférence générale de Timothée 4. Dans les derniers jours, pendant que je parlais, je lisais ces choses. Il y avait des choses qui ont été dites. Il y avait des frères qui sont venus. On devrait prier pour eux. Ils quittent la cigarette, Moi, je n'imaginais pas. Au niveau où nous sommes, quelqu'un va réfléchir pour lui-même encore. Je n'imaginais plus ça. C'était même pas un rêve. Quel frère peut avoir des idées de fumer. Je suis tellement étonné. Jusqu'à ce temps, les gens sont encore dans ça. Dommage. Ole. Que Dieu nous aide. Les vols, n'en parlons pas. Le mensonge, le vol. Bongo. On vole Dieu comme on veut. On ne se soucie même pas. Ça devient une vie. Vous vous tuez vous-même. C'est votre récite sur la terre est lié à cette parole que Dieu a prononcée. Paye la dîme. Aujourd'hui, on continue à voler. Vous volez vous-même. Vous détruisez vous-même. Mais peut-être on est là. On vole Dieu. Mais on est là, géant dans les critiques. Entrez dans l'exode. Amen. Amen. Je pense que je suis tellement sérieux. Nawaza kabisa. William Branham est sérieux dans ce qu'il dit. Et il dit, mais Moïse n'était pas quelqu'un à faire des compromis. Il cherchait à avoir une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul sabot. Nous prendrons tout ce qui nous appartient. Yote iliyo yetu. Que nous irons adorer l'Éternel. Na tutaenda kumwabudu wa milele. Hallelujah. Amen. Nous ne laisserons rien. Hatutaacha hata kitu moja. Pas même un sabot. Hata ile mguu wa ngombe ile kitu kile. Ukombozi na posho kwa milele. Sasa inaweka tu kutoka na vyote. Tout ce que Dieu vous a donné. Sortez avec tout. Pour aller servir l'Éternel. Il avait répondu à Pharaon. Nous ne savons pas ce que l'Éternel va nous demander. Alors si nous allons laisser nos bétails et ce que l'Éternel nous demande, on va lui offrir quoi? Nous devons sortir avec tout. Tutatoka na. Mais quand toi tu es sorti, wakati wewe ushatoka. Les autres choses sont encore restées. Vingine vitu vishabakia. Ça c'est pas une délivrance. Ile haiko ukombozi. Tu devais sortir en totalité. Unapasha kutoka kabisa wewe. Mwiyote. Tout ce que byote uko nabyo. Nous sortirons avec tout. Tutatoka na. Nous ne laisserons même pas un sabot. Wala hatutacha kitu kidogo. Nous prendrons tout ce qui nous appartient. Quand nous irons adorer l'Éternel, pour que la délivrance soit totale. C'est pas seulement ce qui est sortir seul. Comme toi tu viens à l'église, c'est fini. Si kutoka kama vile unakuta mkanisa na binaishia pale. Les affaires kazi ne sont pas sorties. Ton travail n'est pas sorti. Kazi yako haikutoka, biashara n'est pas sorti. Toi-même tu es. Wewe mwenyewe ndio unatoka. À chaque fois, vous retournez là-bas. Unarudi tu kule kule. C'est la ruse de Pharaon. Ile ni ujanja wa Pharaon. Acha chama zenu. Laissez vos histoires. Acha vitu yenu. Vous partez. Ninyi mwende tu. Kwa sababu alicho vizuri. Watafanya nini? Watarudi. Na Musa kamwambia, "Wewe sorti na pande tu. Tutatoka na yote. Kuservire kusudi l'Éternel. Tumtumikie wa milele. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va demander. Notre Dieu aime la dîme. Aime l'offrande. Aime les holocaustes. Pia napenda mazabihu. Dîme et
nao bwana. Farao afashe. Farao kasirika. Moïse dit pas question. Musa kasema sitasikia byako. Nous allons prendre tout. Tutabeba byote. Toka. Avec tout. Na yote. Ce que vous possédez. Yote ulionayo. Que votre délivrance soit ukombozi wako. Soit total. Ikuwe kamilifu. Et que vous entrez dans l'exode de Dieu. Uingie ndani ya kutoka ya Mungu. Vous sortez vous-même. Ukitoka mwenyewe. Jusqu'à présent. Toka hapa. Ce n'est pas l'exode. Bado haijakuwa kutoka. Vous n'êtes pas encore sorti. Wauja kutoka kabisa. J'ai besoin. Mungu ana lazima. De cette totalité. Ya ile ukamilifu wote. De la délivrance. Ya ukombozi. C'est ainsi que l'église devrait être. Na ni hivyo ndio kanisa lipasha kuwa. Nous prendrons la justice. Tunabeba haki. Nous prendrons la sainteté. Tutabeba utakaso. L'église devrait prendre ces choses. Kanisa lipasha kuwa. L'église devrait prendre les critiques. Kanisa ingebeba beta kusema na. La médisance, les mensonges, les vols. Na bongo bwizi. Les choses inutiles. Bitu vya buzoba. L'église doit prendre la justice de Dieu. Kanisa inapasha kuweba haki. Quand l'église sort. Wakati kanisa inatoka. Sort avec la justice. Inatoka na haki yote. Nous prendrons la sainteté. Tutabeba utakaso. Nous amènerons le Saint-Esprit. Itatuletea Roho Mtakatifu. C'est ce que l'église a besoin. Ile ndio Roho Mtakatifu. Les autres choses là. Ne concerne pas l'église. Habiangalie kanisa biusu kanisa. On est l'église. Tuko kanisa. On est séparé du monde. Wakati unatengana na dunia. Tant que vous n'êtes pas encore séparé. Wakati yote yatengana na dunia. Vous n'êtes pas l'église. Bado wewe hujakuwa kanisa. Mais on peut dire. Vous êtes le peuple de Dieu. Uko ndio taifa ya Mungu. Mais on devient l'église. Lorsqu'on est séparé. Wakati ulisha jiachanisha. Tant que vous n'êtes pas séparé. Wakati ujiachanisha. On va pas à l'église. Atuone kanisa pale, huko kanisa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous prendrons, nous amènerons le Saint-Esprit. Tutabeba Roho Mtakatifu. Nous prendrons un groupe de gens unis. Tutabeba kundi ya watu walioungana. Quand nous irons à l'hôtel. Wakati tenda kwenye masabahu. Nous serons un véritable groupe. Tutakuwa basi kundi halisi bora. Nous ne laisserons rien. Hatutaacha kitu kimoja. Nous emporterons tout. Tutabeba yote. Pas un seul sabot. Hakuna hata sabot. Ne restera là derrière. Itabaki kule nyuma hata kitu kimoja kitabaki. Vous savez. Unajua. Et les gens peuvent prier. Watu wanaweza kuomba. De telle manière. Hali moja hivi. Que le diable. Paka shetani. Sera obligé de céder. Atalazimishwa toke. Quand. Wakati lorsqu'on kali. Est un groupe uni. Wakati muko kundi iliyo na umoja. Est-ce que le diable va céder quand on est un groupe divisé? Wakati shetani basi atakimbia wakati kwa kundi inawachana inayokuwa kritika. Wakati pale kuna masemekana? No. Hapana. C'est lorsque le groupe est uni. Wakati kanisa ama ini. Kundi inaungana umoja. C'est à ce moment-là. Ni kwa ile wakati sasa. Dieu. Cho Mungu. Descend dans les groupes. Atashuka mwa ile kundi. Quand vous venez ici. Wakati tunakuja hapa. Prier. Unaomba. Le diable va céder. Shetani anatoka kabisa. Et il va partir. Na ataenda. Oh gloire à Dieu. Eh utukufu kwa Mungu. Il doit céder. Ataenda. Parce que le groupe est uni. Kwa sababu kundi yenyewe inaungana moja. C'est ce que fit Moïse et son groupe. Na ni vile ndio Musa alifanya na kundi yake. Ils arrivèrent là. Walifika pale. Ils se mirent sous le sang. Na wakaingia chini ya damu. Vous avez vu qu'avant qu'ils n'arrivent sous le sang. Muliona wakati bado hawajafika kudamu. Il n'y avait pas de délivrance totale. Hakukukua pale ukombozi kamilifu. Tous les plaies qui tombaient à l'Égypte. Vidonda vyote vilikuwa kwa Misri. Tant qu'il n'y avait pas encore le sang. Wakati bado damu ilikuwa. L'agneau n'était pas encore immolé. Mwana kondoo alikuwa bado kuchinjwa. Israël était toujours en souffrance. Israël iko katika mateso. Mais lorsque l'agneau était immolé, wakati mwana kondoo alichinjwa. Et que le sang était dans les lenteaux. L'ange de la mort a passé. C'était la délivrance totale. Alléluia. C'était la délivrance totale. C'est quand l'agneau était immolé. Wakati mwana kondoo alichinjwa. Dieu a besoin de voir le sang. Mungu ana lazima one damu. Dieu a besoin d'accéder ce sang dans votre Mungu vie. Ana lazima one damu le sang aujourd'hui. Na damu leo. C'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu.
Amen. Et amen. C'est ça le ticket. Il est un ticket. Quand nous voyageons, wakati tunasafiri, vous pouvez arriver à l'aéroport. Même si vous êtes habillé comment, vous êtes habillé avec les habits les plus chers. Pour avoir accès à l'avion, l'hôtesse va vous demander, montrez le ticket. On ne dira pas que non, il est bien habillé. L'hôtesse vous demande des tokens, montrez le signe. Où est votre ticket? C'est ce qui est pour tout le monde. Nous avons pris vol avec des joueurs. Tulibeba safari na wachezaji wa mpira. Avec un avion, il y avait des joueurs. Tulikuwa katika ndege, tulikuwa wachezaji walienda kucheza mpira katika nchi moja. Sasa tulikuwa katika ndege moja kwa mule katika ile. Pilot makilo makabitula manyele sio zimesukwa. Na mapapa hata vile. Tumiza vile tiketi. Tulikuwa tuna tiketi hapo. Kila mtu kwa kipanda ndege. Même si vous êtes habillé en t-shirt, comme on a vu la t-shirt, vous venez avec le ticket. On a coupé la ticket. Vous montez l'avion. On a pas d'endeg. Vous avez l'accès du voyage. On a quoi parler comme ça na rousa pour vous faire. Vous habillez de quelle manière? On a vu la jay. Mais vous vous présentez. Qui nous a envoyé ça? Il n'y a pas le ticket. On a coupé pas les billets ticket. Notre servante regarde. Où est le ticket? À la police à Toivy Guana. Ticket qui quoi pichou? On va vous arrêter. Bata kufunga. N'allez pas. Hein? Aouta safiri. C'est ça le signe. Il est joala maïle. Dieu a besoin de ce signe. Et quand vous avez Frère Bernard m'a dit avant là, on a dit que nous devons apporter quoi? Le Saint-Esprit. C'est la chose qui est demandée. Et quand vous avez le Saint-Esprit, la justice de Dieu vient dans votre vie. La sainteté vient dans votre vie. Ça va chasser tout ce qui est mal. Alléluia. Amen. Le signe. Alama. C'est la chose que Dieu a besoin. Quand il n'était pas encore sous le sang, la délivrance n'était pas totale. Ukombozi ilikuwa bado kuwa yote kwa utele. Lakini wakati damu iliwekwa, c'était terminé. Iliishia hapo. La délivrance était totale. Ukombozi kakuwa tele kwa kamilifu. Asante Bwana. Moïse lui-même. Musa yeye mwenyewe. Était uni à Dieu. Alikuwa ameungana na Mungu. Mais Israël. Lakini Israeli. N'était pas. Ilikuwa haiungane na Mungu. Le péché était toujours là. Dhambi ilikuwa tumule ndani. Et ils ont murmuré contre Moïse. Musa. C'est ce qui a même retardé la sortie. Na ile ndio ilikawisha kutoka. Ils se groupaient comme ça. Oh Moïse, Musa le mateso Musa. Ku ile manunguniko. Na nama na ita. Nasi de sifilike. Na ita sumu. Tu es entré dans l'église aujourd'hui. Trop de murmures. Kunungunika sana. Oyo kite, omonite. Unasika kusalia. Oona anafanya hivi. Anasema hivi. Vous a donné cette option. Nani lopatia bile bitu. Musala nino zwiboye. Muna bitosha wapi? Kusikia vous allez aller avec cette travail. Mutaya nabio wapi? Comme on prêche ici, vous sortez. Ah. Ce qui a retardé. Dans le désert, ils ont fait la même chose. Katika jangwa walifanya kitu cha vile vile. Même si vous voyez le mal, hata kama unaona vibaya, vous voyez le caca de mtu, hata unaona mavi ya ndugu yako, prenez la terre, chukua udongo, couverse la, finika hayo. Ils n'ont pas écouté. Ils étaient contents comme aujourd'hui la science. Les problèmes des frères, tous les problèmes des pasteurs, c'est dans les réseaux sociaux. C'est pas ça le message de Frère Branham. Branham interdit. Prendre le téléphone, appeler un frère, lui communiquer le mal de l'autre. Nous
on peut lire, mais si on peut parler, les gens restent changés. Mais nous allons où? Sasa tunaenda wapi? Trop de murmures. Ils ont murmuré contre qui? Wakasema juu ya nani? Juu ya Musa, kumunungunikia Musa. Et ça faisait mal à Dieu. Na ile ilikuwa kimumiza sana Mungu. Branham dit, Dieu Moïse kama Mungu na Musa walikuwa wameungana. Mais Israël n'était pas hawakukua umoja na Mungu. Moïse est en train de tout faire. Musa alifanya yote. Tous les faire sortir. Et aussi na wapiga. En train de murmurer. Wako kule ngambo yabo kuna nanungunika kule. Kusema vipaya ya Musa. Branham a établi aujourd'hui des lois. Branham a établi ma chérie. Quand tu vois un frère avec un problème, wakati unaona ndugu na shida mambo, kufuatana na Biblia na matayo, baba wende umeone. Mais je pense que ce sont des principes élémentaires. Ile ndio kanuni za msingi zile. Fais voir ton frère. Wewe una ndugu yako. Munaongea. Anakuambia ni sawa, mnamwambia bila ishia pale. Mais au lieu de ça, sasa pale mfanye vile. Nous ne faisons jamais ça. Hatufanyake vile. C'est toujours eux qui t'aiment. Nisema, unasikia, unasikia. Unatafuta nini? Sortez! Toka! L'exode demande toka la séparation. Matenganisho. Des soupçons. Ile kuwaziana. Des choses inutiles. Vitu vya buzozo. Comment vous amenez-vous? Itabapeleka wapi? La loi de la parole dit. Sheria ya neno inasema hivi. Comme je prêche ici. Vile niko nahubiri hapa. Si je dis quelque chose. Kama nilisema kitu kimoja. Et que tu n'as pas compris. Na kila kuelewa. Venez me voir. Suje unione. Pasteur Prince. Mwambie mjukulaji Prince. Ona ulisema kitu hapa. Ona ulisema kitu hapa. Mais je n'ai pas vu ça. Lakini sikukiona mu maneno ya Abraham hapa. La parole de Dieu. Ile neno alomba ile. Au lieu de me voir. Sasa pale kuja kuniona. Unaenda kusema sema. Pasteur ici. Unaenda huko. Unasema. Anaenda kusema hivi. Vous appelez le pasteur. Le pasteur va vous ramener chez moi. Atakurusha tu mpaka ukie kwa. Au lieu de me voir. Et sans murmurer. Sema. Vous allez gagner quoi? Tawina nini bandugu? Vous ne gagnerez rien. Hautapata kitu. Alors que moi j'ai mon genou. Mimi napiga magoti. Je prie. Naomba. Je me force à lire. Najikata kusoma. Même dans des conditions difficiles. Muhali ngumu sana. Je suis en train de me battre. Niko najipiga mwenyewe. Nisaidie bwana. Je me tiendrai devant ton peuple. Nasimama mbele taifa yako. Je veux que je dise quelque chose. Napenda niseme kitu moja. Mais pour une personne. Tutu ya mtu mmoja tu. Unatoka katika lazima fulani. Tu puisses le raconter. Kusudi mkutanane na yeye. Parce que je suis dans ça. Wakati mimi niko mwabile. Voilà tu es en train de me battre. Wewe croyez que Dieu va vous honorer? Sikiza. Unawazia Mungu atakuheshimisha vile. Mais au lieu de laisser ce, on est toujours dans ces choses. Nous parlons pas de la case à coïle. Lorsqu'il y a le manque de respect, même si à l'hôtel, qu'on sait dire là-bas. Ça se bita quoi de couler. Et après tout, on attend l'enlèvement. On est frère, on est ceci. Tu connais quoi? On est coulé vous. Bandugu, bien les autres. Respectons les principes de la parole. Psikiza. Tuheshimu kanuni za neno. Dieu vous honorera. Pia Mungu atakuheshimisha. Est-ce que vous me saisissez? Mwanifuata vizuri. Je ne veux même pas des amen. Sipende hata maamina. Je veux vraiment que la parole biba ingie. Parce que c'est trois jours de marche. Kwa sababu au lieu de marcher trois jours. Pale kutembea siku 40. Miaka makumi ine. Aere. Biko tula. Kuzunguka zuka fasi moja. A cause de quoi? Tia nini yote? De mirmi. Kusema sema. De critique. Masimu. Kusema mtu mbaya. Musa. Frère Branham di. Si Moïse n'était pas un prophète. Il allait mourir. Kama Musa alikuwa nabii angekufa. 10 millions de personnes. Crier sur ton nom. Milioni mbili. Il allait même fuir. Il allait même fuir. Angekimbia ta. Les principes sont là. Kanuni ziko. Je lis ici. Nasoma hapa. Je donne une critique. Hapana andiko. Vous n'avez pas si ça. Vous venez seulement me voir. Je n'ai pas un revolver ou bien j'ai une garde là qui va t'empêcher. Non.
tu viens calmement, je vais vous recevoir avec mes mimi nasoma andiko hapa kama usikie vizuri kuja kuniona sina bunduki ya kuzuiza ama mlinda kwa kunilinda ala hapana kuja useme mchungaji prince ulisoma hivi na hivi na hivi lakini ona hapa asante mungu ona kile nilisema hivi kama kama iko sawa sawa tunapatana sawa kani sawa je vais rejouer là sawa basi mimi narudilia tempi nihubiri a prié pour une sœur. Banama alimwambia dada aliomba dada moja. Il lui a déclaré qu'elle est guérie. Na kamwambia umepona. Et la sœur est partie. Dada akaenda wiki tatu akakupona. On l'a ramené chez moi. Na kamwisha ndugu bwana mtena. Bwana anasema nikujua vile. Vous aviez prié pour moi. Uliniombea. Na ukasema mimi napona. Banama alimwambia hakuomba mara moja. Akasema mnirudishie tempo. Napenda dani nisikilize vizuri. Il a rejoué la bande. Na kapiga tempo. Akasikiliza mpaka. Il attendait les paroles. Asikile qu'il avait prononcé il pour la sœur. Quand il a écouté non, ça, directement il a dit parle, ça, parle, dada. Continue à quoi? Endele kwa mini, dada. J'ai dit ainsi dit le Seigneur. Tu es déjà guéri. Quand la sœur est partie, okay, dada, deux tu, jours après, totalement guéri. C'est comme ça les choses. Quand nous quittons la ligne de la parole, wakati tunatoka mustari wa neno, Dieu aussi nous quitte. Pia Mungu anatuacha. Aussi nous restons la ligne. Na tubaki katika mustari wa neno. Pia Mungu atabaki na sisi. C'est un problème. Shida. À éviter ces choses. Tuache bia vile. Le murmure ce n'est pas une bonne chose. Usema sema iko bitu nzuri maniko. Mungu apendake bile. Dieu est cela. Mungu anachukia bile. Nous devons être un groupe uni. Tunapasha kuwa kundi na yungana mumoja. Vous venez prier ici. Unakuja kuomba hapa. Vous n'êtes pas sincère. Hauko mnyofu. Vous croyez que vous faites quoi? Sasa unaweza kufa kwa nini? Bonhomme dit. Bama nasema hivi. Je regarde pas ce qui sort de l'œuvre. Mungu angalie maneno matamu yako. Je regarde les motifs. Mungu angalie ndio fukuzio lengo shaba. Là où cela vient. Pale kwenye natokea. Si votre motif n'est pas sincère. Fukuzio lako haiko nyofu. Le cri de Fourier, Dieu. Maneno yako mazuri yanamwambia Mungu kitu. Amen. Amen. Restez dans la ligne de la parole. Tu baquies kabisa kuja stroke. Nous sommes un groupe uni, un peuple. Tu kokundi. Séparé. Libéré. Dans un exode. Nous allons mbele ya kwenda kutoka. Et de ce matin. Na subuhi moja. Nous serons chez nous. Tutaenda kwetu. Et quand vous ne vous m'aimez pas ici. Sasa kama mpendane hapa. Alors là-bas vous allez vous embrasser comment? Kule mtakumbatiana je. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous sommes un groupe. Tuko kundi. Frère Branham dit. Branham anasema. C'était le problème, c'était le murmure contre Moïse. Shida ilikuwa pale. Et ils ont dit, pourquoi fait-il ceci? Musa, Joana anafanya vile. Qui nous amène plus de problèmes. Wewe Musa, unatuletea tena mambo makubwa tena tuongezea. Musa anabaleta nyo mashida ingine. En effet. Sasa. Pharaon avait simplement doublé la quantité de briques. Farao pale akazidisha ile wingi wa matofali. Ainsi, na vile ça c'était Moïse. Dieu ilikuwa il était Musa. Complètement entre les mains de Dieu. Aliko kabisa katika ya mikono ya Mungu. Totalement délivré. Amekombolewa lote. De la garde des moutons. Kutoka kwenye kulinda nyama. Pour garder les brebis de Dieu. Kusudi alinde taifa ya Mungu ama kondoo za Mungu. Amen. Amen. Oh, c'était merveilleux. Vous gardez les brebis de Dieu. Il était totalement. Il était délivré. Lui. Mais les gens n'étaient pas délivrés. Puisqu'il y avait encore des murmures parmi eux. Kwa sababu katikati ya watu kulikuwa manunguniko kusema sema. Nasikia, unasikia. Wakusiki vile, hawone hivi. Unasikia, unasikia. Unasikia nini? Soto yokie gosala yo nini? Na yo lusikia inakusailia nini? Mbasa yo pesalere nini? Itakuletia nini? Mandami oyoka. Asa ulusikia vile. Unapata nini basi? Otiga goyoga te. Eti uda hata kumekusikia sikia. Moïse était délivré. Musa alikuwa amekombolewa wake. Alikuwa en ordre avec Dieu. Alikuwa sawa na Mungu. Mais le peuple. Lakini taifa njo. Dieu les a tués. Mungu akawaua. Mon frère. Duguya. Nous devons
tunapashwa être sérieux avec la parole. Kukua, kichwa sana na predication neno. A qui irons-nous? Katika mahubiri tutaenda kwa nani? Si je vais lire ça même le dimanche. Naisoma siku ya Mungu na kuja. Si vous êtes sérieux avec Dieu, kama uko kichwa sawa na Mungu, Dieu aussi sera sérieux avec vous. Mungu na kabisa, kwako atakuwa kabisa mtu mtoroka. Amen. Si c'est paragraphe 20. Je vais lire ça le dimanche. Kifungu 12 na si vous êtes sérieux avec Dieu, kama wewe kabisa uko sawa na Mungu, Dieu aussi pia Mungu naye sera sérieux avec vous. Atakuwa sawa na wewe. Frère Branham dit, dans la prédication, pourquoi la petite Bethléem? Katika mahubiri, kwa nini Bethléem mudogo? Il dit parfois, ce sont des petites choses qui soutiennent des grandes choses. Pinyo, pina shikilia vitu bikubwa bikubwa. Mais aujourd'hui, les gens veulent. Lakini leo watu wanapenda nini? Le prêche. Baba hubiri. Le millennium. Baba du millennium. Le saint des saints. Baba hubiri watatu watakatifu. Baba hubiri kile. Baba hubiri miria saba. Mais les petites choses, oubliez. Alors que c'est le fondement. Alors, ces choses-là vont se tenir comment? Il faut d'abord le fondement. Et maintenant, vous croissez. Et chaque chose va arriver. Et ça sera une bénédiction. Il y a une bénédiction. De petites choses comme on appelle aujourd'hui dans la prédication pour prisonnier de Christ katika mahubiri Paulo mfu wa Kristo ou dans le trône ama kitu cha enzi. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas crier si votre vie n'est pas à l'auteur de votre yako, haifikie, quand vous criez, vous mesurez aussi votre vie skiza. Avec l'écrit que vous donnez. Nous te dirons Baba, jishushe. Marie et Joseph ont marché trois jours. Marie et Joseph ont mis ils ont oublié Jésus. Mais ils parlaient de lui. Mais il n'était pas avec eux. Quand ils ont compris, l'enfant n'était pas là. Ils n'ont pas continué. Ils ont retourné. Là où il avait laissé. Quand on a laissé Dieu quelque part, nous sommes obligés ce soir de retourner les récupérer. Yakurudi. Faire un exode réel, une séparation totale. Vous savez, je vous prêche avec beaucoup de sincérité. Dieu est témoin, il connaît mon cœur. Je suis en train d'enseigner ici comme si je prêche à mon église. Vous savez, quand on est dans les voyages missionnaires, peut-être on ne se plonge pas. Il y a beaucoup de choses, ou bien quoi, parce que vous passez. Mais quand on est sur l'église, vous prêchez avec des détails. Vous prêchez les gens de maintenant, je le prêche pendant 6 mois. Je vais venir aujourd'hui, je lis une écriture seulement. Je parle, je parle. Quand je suis ici, je prêche vraiment avec un esprit très sérieux à moi. Et je commence même à prier. Je prie beaucoup pour fellowship. J'ai même oublié de prier pour mon église. J'ai même parlé avec Fréchino. Je commence à prier beaucoup pour fellowship. Je suis en train de citer ceux que je connais leur nom. Je suis pasteur pour l'église. Je dis les gens. Je prends tout le temps la nuit. Parce que dans l'exode,
kutoka. Na wewe sortir avec tout. Unapaswa kutoka na yote. Tu servir Dieu. Usije mtumikie Mungu. Zaba offrande ya 500 francs. Ile masadaka ya 500 ya madesa. Amchezake Mungu. Faut laisser ces choses. Acha vitu vile. Dans le règlement d'ordre intérieur de Branham Tabernacle. Katika ile marigema interne ya Branham Maskani. Wiliko kumasia ni Branham. Mkisoma ile maoda zake zile. L'offrande était fixée à 1 dollar. Anasema sadaka ilikuwa inaweka ku dola moja. Lakini sha tuseme bia vile hapa, atuseme vile. Ile ilikuwa mu Branham Maskani. Ndio walikuwa wanaanzia ku dola moja wanapanda. Lakini huku wetu. Hatupendi tuseme bia vile. Tuseme fisika vega 1000 francs. Tuanze tu hata na 1000 tu basi. Donner à Dieu et monter na upande. Parce que la dîme tu n'avais rien donné à Dieu. Vous avez travaillé avec lui, c'est un droit. Vous donnez Dieu sasa, dans les offrandes. Unampata basi Mungu mche kumi. Eh, musadaka samani. Mais aujourd'hui okay, les gens viennent à l'église, ne donnent même pas les offrandes. Mbuto kwa kanisa hana ta sadaka loi. Soyez là, je voyais les panneaux circuler, les gens ne donnent pas offrande. Ne vous pas donnez pas l'offrande, vous voulez quoi? Tunga sadaka inapita hata watoe sadaka. Sasa mpeo amotone amopane sadaka kwa nini? Mnawaza je? L'offrande c'est un droit? Sadaka ni sheria ni haki. Votre culte soit complet. Bramana sema trois choses. Ibada yenu ikuwe kamilifu mu vitu vitatu. Le culte n'est pas complet. Kila ufanye basi ibada yenu kamilifu. Le panneau circule comme ça. Hata siku ya Mungu sadaka inapita. On prépare l'offrande. Inapita kuna kitu. Tuko na ndani ni basi. Les gens vont le dire. Paka leo tuko na kitu. Hata mu sadaka yenyewe. Mais pour murmurer. Lakini je kusemana. Champion du Congo. Ukoje wa kwanza. Vous parlez. Je kusema. Champion du Congo. Wewe njo washapewa medali. Aller dans les Jeux Olympiques là-bas avoir les médailles. Wende kule kule fasi mugule basi mupate bakupatia medali kusema. Mon frère, retournez à Dieu. Ubu tumurudilie Mungu. Tunaria kutoka ya kweli. Le respect mutuel. Adabu ya watu wote. Dieu voulait que le peuple honore Moïse. Mungu alipenda taifa imheshimu Musa. Moïse. Imheshimu kabisa kabisa Musa. Moïse respectait le peuple. Na Musa pia aheshimu taifa. Dieu leur bénisse. Na Mungu alikuwa akiwabariki. Na ule le peuple fasse ça. Pali taifa fanya leo vile on critique, on parle mal. Pali taifa imheshimu Musa. Sa irrité Dieu. Dieu les a frappé. Vibaya wakamsema Musa vibaya kamsirikisha Mungu. Beaucoup de maladies. Na Mungu akawapika. Beaucoup de problèmes. Magonjwa mingi. Beaucoup de difficultés. Magumu mingi. À cause d'une parole. Maneno, que tu avais prononcé avec un saint de Dieu, avec un serviteur de Dieu, tu n'as jamais demandé pardon. Mais aujourd'hui, tu joues des lamentations et des requêtes et des prières. Arrangez d'abord la chose là. Tu n'as pas arrangé rien. Wakati wa tengeneza, hakuna kitu. Hakuna. C'est comme ça que l'église a des problèmes aujourd'hui. Na njoo vile leo kanisa iko na shida kubwa. Tout dans le message. Zaidi sana mujumbe. Ah, aujourd'hui. Leo. C'est grave. Mawa. C'est sérieux. Kabisa ajabu hatari. Murmure quoi mon frère? Kwa nungunika nini ndugu? Nous sommes frères. Tuko bandugu. Pourquoi murmurer contre toi? Sasa kwa nini unungunikie ndugu yako? Kwa nini useme vibaya ndugu yako? Vous faites ça, vous ne vous trouvez même pas que non. So enjoy. So nafanya ka vile abikulumake kwa mwenyewe. Forcez-vous. Sujikaze. Pour que la délivrance soit totale. C'est ce que Dieu veut. Je dis et je répète. Soyons sérieux avec Dieu. Moi je ne m'écarte pas. Je ne m'écarte pas. Quand je mets la main comme ça. Celui-ci ne m'écarte pas. Quand nous lisons là. Nous nous prêchons déjà à partir de là. Tu connais Jobi d'ailleurs ici à Panassisi. Je ne suis pas écarté. Attends, si ça tout je suis pembeni. Na mimi niko ndani. Je lutte. Na mimi napigana. Mais je fais un effort. Lakini nafanya nguvu yote. Kusudi nisiseme ndugu vibaya. Je vais pas penser mal. Nisimuwazie vibaya. Je vérifie toujours mon cœur. Nachunguza kila wakati moyo wangu. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Katika mahubiri ndakuwa na wewe kama vile nilikuwa na Musa. Le 11 septembre 1960. Ilubiri wa tarehe 11 mwezi wa 9. Makumi sita na. Je serai avec toi. Ndakuwa comme j'étais avec Moïse. Na wewe kama ilikuwa na Musa. Vous êtes déjà là?
Mwisha kuwa tayari. Paragraphe 65. Kifungo makumi sita na tano. La justification. Kuhesabiwa haki. Parce que Branham parle de trois jours de marche. Chubram anasema pale. Anasema juu ya siku tatu za safari, anasema la justification. Anasema ni kuhesabiwa haki. La sanctification. Utakaso. Et le baptême du Saint-Esprit. Pia ubatizo wa Roho Mtakatifu. La justification. Kuhesabiwa haki. Ils ont quitté l'Égypte. Walitoka Misri. Il y a trois étapes. Kuna hatua tatu. Dans leur voyage. Katika safari yabo. Ils ont quitté l'Égypte. Walitoka Misri. Sous la justification. Chini ya kuhesabiwa haki. Croyant la parole. Kuamini neno. Ils se sont séparés des Égyptiens. Et sont sortis. Na wakatoka. Ils ont traversé la mer rouge. Wakatambuka bahari nyekundu. Et ont tué des choses derrière eux. Na wakaua vitu nyuma yapo. Ce qui était la sanctification. Ile ilikuwa basi par le sang. Kupitia damu. Qui tue tous les désirs humains. Ile inaua nia zote za kimutu. Pour le mal. Juu ya vibaya. Amen. Amen. La deuxième étape de leur voyage. Atua ya pili ya safari yabo. Mais la troisième étape. Lakini atua tatu. Était lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Ilikuwa wakati walivuka Yordani. Pour entrer dans la terre promise. Kusudi waingie katika nchi ya malaki. Où se trouve leur héritage. Pale kunapatikana urithi wapo. Leur héritage. Urithi wapo. Ne s'est jamais trouvé en Égypte. Ili hayapatikana ka Misri kamwe. Wake Dieu les a bénis en Égypte. Hata kama hivyo Mungu aliwabariki Misri. Ce n'était pas leur terre. Lakini haikuwa nchi yao. Ce n'était pas leur possession. Haikuwa makao yapo. L'héritage. Utajiri wapo. C'était le pays. Ama mali yapo ilikuwa katika inchi. Et quand ils se sont arrivés au pays. Wakati walifika katika ile inchi. Branham dit Cana. Branham anasema Cana. Ce n'est pas le millennium. Si millennium. Cana. Kanani. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et ubatizo wa Roho Mtakatifu. Parce que dans le Saint-Esprit. Il y a encore des combats. Kungali tena vita. Ils ont combattu. Walipigana. Pour récupérer le pays. Kusudi waweze kuwina inchi yapo. Amen. Amen. Parce que dans les millénaires, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de ceci. Tout sera effacé. Mais à Cana, il y avait des batailles sur bataille. Ce n'était pas leur pays. Paragraphe 77. Kifungo makumi saba na saba. Vous descendez. Shuka chini. Josué savait que sa commission était extraordinaire. Yoshua alijua kama kazi aliyopewa ilikuwa kazi ya kipekee. Avez-vous remarqué là? Mshaona pale? Quand Josué a commencé à traverser le Jourdain. Wakati Yoshua alianza kuvuta Yordani. Comme il pensait à sa commission. Kama vile alikuwa kiwazia juu ya kazi yake. Ce livre de la loi. Na ile kitabu cha sheria. Ma parole. Neno yangu. Ne s'éloigne point de ta bouche. Usiende mbali na kinywa chako. Que la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Ne quitte pas ta bouche. Usitoke kinywani mwako. Ni ton cœur. Na moyo wako pia. Et en d'autres termes, Josué, Joshua, peu m'importe Haizuru. Ce que dit la tribu, kile kabila na ce que mocha. Disent les autres membres du clergé, kile wana memo wa clergé reste avec cette parole. Baki jamani na hii neno. Les gens peuvent critiquer, watu peuvent murmurer, na peuvent faire quoi que ce soit. Reste dans la parole. Ndani ya neno. Ne quittez pas la parole. Usitoke neno ya Mungu. Amen. Restez à ton poste de devoir. Baki katika fasi yako ya kazi. Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Amen. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Aizuru yule yote tuweza kusema. Restez dans la parole. Baki tu mneno. Car c'est alors que tu auras. Ni kwa sababu kufuatana na ile show. Utafaulu mumbitu yote utafanya. Peu importe combien de grandes choses ils font. Haizuru mambo kubwa gani wanatenda. Et combien de petites choses ils font. Na mambo ngapi madogo wanayomba. Et combien d'organisations ils ont fait. Na makusanyiko madhehebu ngapi walikufanya. Reste avec la parole. Joshua baki na neno. Josué. Joshua. Oh là là. Oh là là. Reste avec la parole. Baki na neno. Que cette parole. Hii maneno. Que cette parole. Hii neno. Ne s'éloigne point de laissez-moi les relire. Fortifie-toi. Seulement. Et prends courage. On a
agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, a prescrite. Ne détourne ni à droite ni à gauche. Reste derrière ce que Moïse a dit. Si l'église aujourd'hui doit rester derrière ce que Branham a dit, nous allons avancer dans l'exode et nous aurons le succès. Le prédicateur doit rester sur ce que Branham a dit. Et le peuple doit croire, il a accepter ce que Branham a dit. Et nous aurons le succès. Si la parole est dit de faire une certaine chose, faites-la. Peu importe ce que dit l'organisation, faites-le quand même. Voilà le Josué que Dieu attend. Ne vous détournez pas d'un centimètre, pas d'un iota. Restez juste avec la parole. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir. Ne quitte pas la parole. Ne laissez pas quelque chose vous emporter. Afin que vous puissiez réussir. C'est comme ça que Josué a réussi. Dans le peuple qui était fidèle avec lui, ils ont traversé le Jourdain dans le pays. Vous pensez que vous réussirez lorsque vous construisez des grandes églises, lorsque vous ajoutez des 1000 à votre dénomination, 10 000 à votre dénomination. Lorsque vous ajoutez 10 000 à votre dénomination, cela n'est pas la réussite. Cela ne vous avance pas d'un pas plus près de la promesse. C'est dont nous avons besoin. C'est des plis de Dieu, plus du Saint-Esprit, afin de réussir dans tout ce que nous t'y entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que c'est la vérité? Restez dans la parole. Baki muneno. Bacholayo. Basekayo. Bakuseme. Balobelayo nini. Bakuzaraba. Tikala na liloba. Baseme nini yote kwako. Baki na neno. Branham a dit dans la prédication Apocalypse chapitre 5 paragraphe 57, je vous jure devant Dieu, je vous le conjure devant Dieu, ne quittez jamais ce message. S'il y a un faux dollar, et la montre qui est un véritable dollar. Ce message va vous amener devant Dieu et tu vivras éternellement. Restez dans la parole. On vous ravisse tout. On vous ravisse ta maison, ta voiture, tout ce que tu possèdes. Restez avec la parole. Que personne ne te ravisse dans cette parole. Cette parole, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et la vérité. Vous le croyez? Nous disons en anglais, tu sais pas, the end time message. Ni wakati, le message du temps de la fin. Ujumbe wa
wakati wa mwisho. Is only one message in the world. Nani ujumbe moja peke yake. Le seul message dans le monde. Ujumbe moja ndani ya dunia. Il y en a pas deux. Wala si ujumbe mbili. C'est Matthieu 24:14. Ni Mathayo 12:14. La bonne nouvelle du royaume. Injili habari njema ya sera prêchée à toute la création. Itahubiriwa duniani mote. Alors viendra la fin. We are in the hand today. Na tuko mwile wa. Nusoma la fin. Wa mwisho apa sasa. Aujourd'hui. Leo. Is the hand. Cho wakati wili. C'est la fin. Mwisho. De ce message. Na mwisho. Branham ujumbe hii. Mama nasema. C'est venu. Ilikuja. Pour répondre. Kusudi jibu. A la condition du temps de la fin. Hii ujumbe imekuja. Kusudi jibu kwa hii hali ya wakati wa mwisho. Frère Branham dit, Dieu savait que dans ce temps-ci, si, la ruse du diable sera très élevée. L'hypocrisie sera très élevée. Le mensonge Bongo. Très élevé. Sana. Le mal sera de pire en pire. Mupaya, la seule chose pour répondre kusudi waze à cette condition, c'est le message du temps de la fin. Ni wa ujumbe wa wakati wa mwisho. Lorsque vous avez le message, kuna ujumbe. Ça ferme ta bouche. Unafua kinywa chako. Pour parler mal de ta sœur. Kusema vibaya dada yako. Ça ferme ta bouche. Unafua kinywa chako. Pour murmurer contre ton frère. Kumunungunikia ndugu yako. Le message répond à chaque condition. Amen. Ujumbe inajibu kukila hali yote. Gloire à Dieu pour William Branham. Utukufu kwa Mungu jwa William Branham. Aller trop loin, je vais avancer là. Je vais vous laisser. C'est à qui ni nembi ni ne ni yendele sa nandawa na pena ni wachwa katimu kurudi. Que Dieu nous aide. Moi tu saidi kabisa. Je vais lire ici le Fils de Dieu manifesté. Mwana wa Mungu alionekana wazi. Le 18 mai 1960. Allez vite parce que twende mbio mbio. Je vais aller terminer. Ça reste qu'à une écriture. Tena nimalize kuna kiandiko moja tu. Les choses ne tournent pas bien dans notre pays à ce jour. Bidwa biendeke vizuri mwinchi yetu mwezi siku. Doit libérer les saints avant pour qu'ils arrivent avant. Tunapasha kuacha watakatifu waende mbele kusudi wafike avant. Paragraphe 140. Kifungo le fils de Dieu manifesté. C'est que le monde attend aujourd'hui, c'est la manifestation des fils de Dieu. Bwana anasema kila dunia inangojea leo. Aujourd'hui c'est qui est grave. Kwa wana watoto wa Mungu. On voit beaucoup de gens aller aux églises. Lakini leo ya shangaza. Les églises sont pleines partout. Kanisa zinakuwa mingi fasi yote. Quand vous cherchez le fils de Dieu, wana wa Mungu. On ne voit pas les fils. Atuona watoto wa Mungu. On voit plutôt les églises. Mais nous avons besoin de voir ya kuona les filles et les fils de Dieu. Binti na wana. C'est ce que le monde attend. Na ile njo dunia na jingojelea kuona. Paragraphe 40. Kifungo 110. Qu'est-ce qui fait qu'il soit particulier? Nini natuma wakwa watu wakipekee? Vous êtes une nation sainte. Amen. Muko taifa takatifu. Qu'avez-vous fait? Mulifanya nini basi? Vous êtes sorti de ce pays là. Mulitoka maila inchi. Hallelujah. Amen. Vous êtes dans un autre pays. Muko katika inchi ingine. Comment êtes-vous entré là? Sasa mulifiki hapo je? C'est le pays de la promesse. Inchi ya malako. Oh gloire à Dieu. Eh, utukufu kwa Mungu. Quel genre de promesse? Basi malako ya ina gani? Dans les derniers jours. Wakati wa siku wa mwisho. Dieu. Hivi Bwana anasema. Je répandrai mon esprit. Ndamwanga roho yangu. Sur toute chair. Wa kila mwili yote. D'un seul esprit. Na roho moja. Nous sommes tous baptisés. Na kwa roho moja. Pour entrer dans ce pays promis. Frère Branham dit amen. Et il disait à l'église ce soir là. Frère Branham tabernacle. Quand il enseignait ça, il leur disait déjà. Ils sont déjà dans le pays. Amen. Amen.
Et le pays, na inchile, à sa manière, iko na hali yake. Des frères et sœurs, wandugu na wadada. Venez dire alléluia. Anamana sema alléluia. Qui ont le cœur pur. Amen. Wako na moyo safi. Sans jalousie. Bila wivu. Sans inimitié. Bila wadui. Rien. Hakuna kitu. Peu importe. Aizuru nini. Si un frère se gare. Peu importe. Aizuru. Ce qu'il fait. Kila nafanya. Vous partirez à sa recherche. Utaenda wana mutafuta. Voilà la vie du pays. Ona maisha ya ile inchi. Voilà ce qui est dans le pays. On a kile kiko ma ile inchi. Mais comment on est frère? Sasa tuko badugu je. On devient ennemi. Tunakuwa badui. Moi je ne crois pas une telle religion. Mimi siamini kidini kia vile. Comment on est frère? Tuko badugu je. On est sœur. Tuko badugu. Mais on est ennemi. Dada lakini tuko badui. Je ne pense pas à ça. Je ne vois pas une barrière. Parce que nous sommes dans un pays. Tous ensemble. Ce que vous avez, c'est pour moi. Ce que j'ai, c'est pour vous. C'est dans le pays. Si j'ai un besoin, je viens chez mon frère. Sans crainte. Bien aimé, j'ai le besoin. Si vous l'avez, vous dites ok, ça va. Voilà, je vais te faire. Si on n'a pas, à ce jour, les choses n'ont pas tourné. Prions le Seigneur. Je pense que c'est ça, non? Mais comment je viens chez vous? Ça, vous quittez, si vous partez là-bas, vous dites autre chose. Vous dites là, frère, vous êtes dans quelle église? C'est quelle religion? C'est quel pays? Branham dit, we are sisters and brothers. Nous sommes des frères et des sœurs dans un pays. Mais Branham, la loi de Branham, quand tu viens à l'église, regardez celui qui est à côté de toi. Comment est-ce que ça? Je le vois toujours avec un livre à la bouche. Mais je l'ai à la maison 10. Comme je vois ça, je vais donner une à ma sœur. C'est ce que le pays nous demande. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Nous avons introduit la tradition. Dans le pays, sortez. Tokeni. La loi de Dieu. Chérie ya Mungu. Quand la main droite donne, wakati mkono kume na pana. La main gauche ne sache pas. Quand la main gauche donne, wakati mkono kushoto na pana. La main droite ne sache pas. Kulie sijue kitu. Sasa beti des écritures. Tu m'as dit que tu dogo tudogo. Oh, moi je peux avoir peur de mon frère. Sasa mimi ndapata boga ndugu yangu chi. Alors je vous ai lu ici dans Hébreu. Ni wasoma katika Hebrewia. Mama nasema, je vous donnerai des frères. Nawapatia wa ndugu. Je vous donnerai des pères. Nawapatia wa baba. Des mères. Des sœurs. Wa dada. Nous sommes une famille. Mais la tradition nous a pris contrôle. Et nous ne sortons pas de cette chukua, alors dans l'exode. Vous êtes dans le pays. Tuko mwinchi. Connais-tu unajua cette cité inchi, la cité inchi céleste ya juu. Amen. Amen. Musafiri voyage Namugeni ici bas Apachini nous nous plairons. Je chante ça bien en anglais. Nimba kasana vizuri mukingereza ile wimbo. Vous savez le chant, non? Mnajua ile wimbo? La cité céleste. Ma il est ninchi ya juu. La cité bénie. Il est ninchi ya barikiwa. Alléluia. Amen. Considérez ton frère comme toi. Baba, chukua ndugu yako na bei moja kama wewe. Voyez ta sœur comme toi. Baba, dada yako kama wewe, bei moja kama wewe. Ayez la joie. Kuwa na furaha. D'être ensemble. Ya kukua fasi moja. God bless you, my brother. Bariki ndugu yangu. Vous le faites avec un cœur sincère. Pia, unaifanya na moyo wa unyofu wote.
Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. C'est merveilleux. Ni ajabu. Branham dit. Branham anasema. Oh, c'est merveilleux dans cet esprit. Oh, ni ajabu sana kwa roho moja. Tuko wa ndugu na wa dada. Hallelujah. Qui ont le cœur pur. Wale wako na moyo safi. Sans jalousie. Bila wivu. Sans inimitié. Bila wadui. Rien. Wala kitu haizuru. Kama ndugu na pembeni. Haizuru kila lifanya. Unaenda kumutafuta. Unaenda kutafuta ule ndugu. Mungu wa kwanza kumusema katu. Comment tu peux aider un homme? Utasaidia le gens critiquer. Utasaidia mtu uchede usha musema sema. Si c'est moi, je ne vous reçois pas. Ah, mais ça va poké. Vous m'avez déjà critiqué. Pourquoi vous venez encore m'aider? Vous savez qu'on essaie ma vie, bah, je crois que vous essayez d'y aller. Ça ne peut pas marcher comme ça. Habitat aime bien vivre. Habitat aime bien vivre. Je voulais juste vous dire ici, mais quand Branham me prêche, c'est Branham Tabernacle. N'appelle quoi bien Topani. Et il leur demande, vous êtes une nation sainte. Qu'avez-vous fait? Vous êtes sorti de ce pays-là. Et vous êtes dans un autre pays. Comment êtes-vous entré là? C'est le pays de la province. Quel est le jour de province? Dans les derniers jours, je répandais mon esprit. J'ai le Saint-Esprit. Ma sœur le Saint-Esprit. Mon frère le Saint-Esprit. Nous sommes un. Tout quoi? Même esprit. Alors le même esprit ne peut pas se trahir. Que Dieu nous aide. Est-ce que je sens que vous m'écoutez bien ce soir? Est-ce que vous m'écoutez bien? Je vais vous terminer. On va prier. Attends, je termine l'écriture ici. Il dit, il n'y a pas longtemps. Je suis parti à la recherche d'un frère qui s'était égaré. Un jeune homme m'a dit, il a dit, laissez ce coquin s'en aller. Laissez-le tranquille. J'ai dit, si jamais j'en arrive au point où mon cœur n'est pas porté vers mon frère, alors il sera temps pour moi d'aller à l'hôtel. Amen. Ya kuenda hapo kumibari, ah kumazabau. Oya kana tumbele, otubela, olela. Unakuya hapo kuomba, unalia. Suki motema na yo. Kama moyo wako. Baba lukapona ndeko na yote. Aigeuke tena ndugu yako. Ndeko na ndeko na mobalite. Angalia tena ndugu yako. Mama pona ndeko na yo mosite. Ndeko ndugu yako mwana dada yako na ndugu yako. Ni kambo oli oyo kama wa. Au sikia mipaya. Parce que je serai déchu de la grâce. Mimi ndakuwa chini ya neema. J'irai tant qu'il y aura le souffle de vie dans son corps. Ndaenda kumtafuta wakati atangana pumua. Je le rattraperai quelque part. Na namuwi nafasi moja. Sur le chemin. Kwenye njia. Oui, oui. Dio. Et je le rattraperai. Alléluia. Je l'ai ramené. Oui, oui. Dio. Il est rentré au bercail. Il est ton sireté maintenant. Na apa, iko katika ukingo sasa. Oui, oui. Dio, il Dio. Se serait égaré. Angeenda pembeni. Aussi sûr que deux et deux font quatre. Kama vile mbili kuzidisha mbili inakuwa ine. Amen. 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 Quand vous faites ça, vous aidez le frère ou la sœur. Mandugu dada. Il revient dans la voie de Dieu. Mungu. Dieu va t'ajouter Mungu quelque chose. Atakuongezea baraka. Amen. Amen. Dieu va t'ajouter quelque chose. Mungu atakuongezea kitu kidogo. Parce qu'il reste dans sa promesse. Kwa sababu anabaki anashika neno lake. Il tient sa promesse. Anashikilia neno lake. L'exode. Kutoka. Oh, c'est merveilleux. Ni ajabu sana. Être un dans le pays. Kukua
moja katika inchi. C'est la grande joie. Ni furaha kubwa. J'aime la manière de parler de Frère Branham. Napenda hali ya kusema ndugu Branham. C'est merveilleux ce qu'il dit. Ni Master Jab kila nasema. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu murudilie Mungu. Alors on va lire ici pour prier. Basi tusome hapa juu ya kuomba. Dans le, dans la prédication tous les jours de notre vie. Katika maubiri siku zote za maisha zetu. Le 12 juin 1959. Siku zote za maisha yetu iliyobiriwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 1959. Paragraph 32. Kifungo 32. Et on va descendre. Chatu tashuka. Pour terminer puis on va. Jia kumaliza na turudi. Lorsque les enfants d'Israël wakati watoto wa Israeli sortez de l'Egypte walitoka Misri. Pharaon leur a dit. Pharaon akawaambia. Oui. Dio. Vous pouvez aller adorer. Mnaweza kuabudu. Mais laissez vos enfants derrière. Lakini macho watoto wenu huko. Laissez derrière vous vos bétails. Mwache wanyama zenu nyuma. Que voulait-il faire? Sasa alipenda afanye nini? Il voulait que les enfants d'Israël. Alipenda watoto wa Israeli. Laissez en arrière quelque chose. Wache nyuma zao kitu kidogo. Pour lequel il savait qu'ils allaient revenir. Ila mbayo alijua kama watakirudilia. Amen. Amen. C'est ce que Pharaon le diable na kile nyo Pharaon ibilisi shetani continue à dire aux enfants. Anaendelea kuambia watoto. Mais j'aime la déclaration de Moïse. Lakini napenda masemi ya Musa. Il a dit. Anasema. Nous ne laisserons pas même un sabot. Wala hatutacha kitu kidogo kabisa. Derrière. Nyuma yetu. Nous irons. Tutaenda. Nous irons. Tutasafiri. Avec tout ce que nous na possédons. Na yote tunayo. Voilà ce qu'il faut faire. On a quitté tout notre abandonner votre orgueil. Abandonner toutes choses. Yote. Et vous possédez. Yote prenez tout avec vous. Yote. Beba yote na et laissez rien derrière. Kitu nyuma yako. Dans le monde. Dedika dunia. Abandonne tout à Christ. Acha yote kwa Kristo. Pendant que nous prions. Wakati tuko na ombi. Alléluia. Soyez séparés. Tuachanishwe. Abandonne le monde. Acha dunia. Laissez ce qui est divin. Acha kile cha dunia kyote. Prenez l'essentiel. Sortez avec cela. Et continuez le temps. Oh, gloire à Dieu. Et utukufu kwa Mungu. Et Frère Branham continue. Et pendant que nous prions, quelqu'un aimerait-il que tu te souviennes de lui dans la prière? Levez la main. Dites, souviens-toi de moi. Oh Dieu, oh c'est bien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais être marqué par Dieu. Je veux être son esclave. Soyez l'esclave de Dieu. Pas l'esclave du diable. Alléluia. Alléluia. Pas l'esclave du diable. Je veux être tellement amoureux de Jésus. Que toutes les choses de ce monde que je désire dans ma vie seront crucifiées et je rassemblerai plus à Jésus chaque jour. Je serai tellement comme lui que les autres verront Jésus en moi. Alléluia. Alléluia. Que j'aimerais que ma vie soit cachée. Il y en a-t-il d'autres qui aimeraient lever la main qui ne le font pas? Que Dieu vous bénisse partout là, là au balcon. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est bon. Que Dieu vous bénisse.
Abraham anasema tena Mungu awabariki. Levez-vous. Ino simameni. Levez-vous. Simameni. Inua la tête. Tuinamishe kichwa. Hapa Abraham yuko anasema. Implement maintenant. Sasa kwa unyenyekevu sasa. Et prions. Na tuombe. Écoutez la prière de Abraham. Ndugu Branham. Pour l'exode. Dieu kutoka. Nous allons prier. Na tupalikuwa. Tout ce dont vous avez besoin. Yote munayo lazima. Demandez tout simplement. Ombeni tu hayo. Demandez beaucoup. Ombeni mingi. Afin que votre joie soit parfaite. Kusudi furaha yenu kwa kamilifu. Demandez. Ombeni. Et vous recevrez. Pia mtapokea. Cherchez. Tafuteni. Et vous trouverez. Mtapata. Frappez. Gobisha. On vous l'ouvrira. Fungulia. Amen. Amen. Oh Seigneur. Bwana. Nous devons tout simplement écouter. Tunapasha tu kusikia. Écouter un tout petit peu. Kusikia tu kadogo. Ce soir. Sioni ya leo. Le message. Ujumbe. Parce que. Kwa sababu. Le service de guérison. Ile kazi ya uponyaji. Approche. Iko karibu. Mais. Sasa. Premièrement. Ya kwanza. Nous aimerions. Tunapasha. Un service de guérison. Tunapenda kabisa. Pour la. Ya uponyaji juu ya nafsi. Sili yale zana fane isi. Kama kuna nafsi za kiwa. Yale zana tashete. Kama kuna nafsi zile kuna. Soye lave onore Jesus Christ. Nikona madawa dawa mbuli na kuishwe mujino la Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Nous voulons voir les hommes. Et les femmes. Être guéris. Par la puissance de Dieu. Qui ôtera leur vie le monde. Et les désirs du monde. Satan essaye de ramener en arrière. Beaucoup de tes enfants. Oh, il y a tant de choses séduisantes, tant de programmes, tant de programmes. Tant de programmes. Non censuré au cinéma. Il a et à la télévision. Et les choses qui ne devraient pas regarder. Et cela séduit l'être humain. Et nous pensons aux églises. Comment elles laissent les gens plonger dans ces choses aveuglément. En titubant. Pensant que c'est correct. Alors que ce n'est pas correct. Nous attendons l'avertissement solennel. Qui dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Nous prions ce soir. Oh Dieu, il vienne un tel désir dans les cœurs de ceux qui ont levé. Levez la main. Et de ceux qui n'ont pas levé la main. Que ce désir soit si grand. Dans leur vie. Et chaque ligne. Il est lit. Au monde. Soit coupé. Et que leurs âmes puissent couler librement. Dieu prendra le contrôle sur eux et les conduira. Et ils ne seront pas d'avoir leurs propres pensées. Ils croiront tout simplement ce que Dieu dit et ils seront libres. Pardonne leurs péchés. Pardonne leur péché. Pardonne leur transgression. Et d'omission. Quel que soit le péché. Oh Seigneur. Nous te prions. De leur pardonner. Il se peut que ce soit leur manœuvre dilatoire. Je te prie, oh Seigneur. De leur pardonner cela. Car tu veux que les hommes et les femmes partent de cette conversation.
nations, comme nous le dirons, est en alerte pour toi et prêt à le servir. Nous ne savons pas quel jour la dernière occasion de servir nous sera présentée. Nos vies seront appelées, alors nous répondrons devant Dieu. S'il y en a qui ont fui, Seigneur, les services qui vont suivre, ou le service antérieur, accorde que ceci soit l'heure à laquelle ils abandonneront tout. Que ce message soit profondément tranchant, qu'il soit apporté à leur cœur, comme qui aimera que cela se fasse, afin qu'ils voient que cela, j'essaye de leur montrer, oh Seigneur, que l'homme naturel voit les choses naturelles. Et là, les choses spirituelles sont tellement contraires aux choses intellectuelles qu'il ne peut pas les comprendre. Et c'était toi, oh Seigneur, qui parlais à Nicodème. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Nous prions donc que la nouvelle naissance soit dans ce bâtiment. Partout dans le bâtiment ce soir, oh Seigneur, afin que de nouveaux cœurs, une nouvelle génération, une nouvelle impulsion, de nouveaux dons, de nouveaux espoirs et une nouvelle vie se répandent dans chaque cœur, partout dans la salle. Je te les accorde. Je te les présente à présent. Seigneur, en tant que ton serviteur, au nom de Jésus-Christ, que je puisse les rencontrer au jugement. Si pas avant, et dit que c'était à Chicago, ce vendredi-là, le soir, que je dis mon oui. Et où j'ai quitté complètement le rivage pour avancer en plein et haut et jeter le filet pour le péché. Accorde le Père, nous te nous aimons être tes esclaves tous les jours de notre vie. Nous te servons comme des esclaves de ton amour. Avec joie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Que la prière de Frère Branham puisse délier quelqu'un, puisse remplir quelqu'un, puisse changer la nature de quelqu'un. Vous avez accepté la prière de Frère Branham? Chantons un petit cantique. Je viens au Seigneur. Je viens maintenant à toi. Connais-tu cela, mon fils? Joue-nous un petit cantique. Il y a de la place à la fontaine. Connaissez-vous cela? Il y a la place à la fontaine. Jésus, garde-moi près de la croix. Très bien. Chantons ce beau vieux cantique. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Le chant de réjouissance, c'est très bien. Mais j'aime ce bon vieux cantique sur le sang, sur la croix. Qui vient du cœur, que quelqu'un m'aide à conduire ce chant maintenant. Près de la croix, garde-moi.
Karibia msalaba unilinde. Amen. C'est ça les cantiques que Frère Branham a chanté. Il est déjà venu avoir prié pour les gens. Chanter cela avec joie. Et nous allons prier pia pour partir. Que quelqu'un m'aide à conduire ce chant maintenant. Gardez-moi prêt. Maintenant, c'est donc votre état d'adoration. Pourquoi adorez-vous? Sur la base de la parole. Vous la brevez maintenant. Vous adorez sur la base de la parole. C'est dans votre cœur. Oh, il est gratuit pour tous. Un courant qui guérit. Un courant qui guérit. Et qui coule de la fontaine du calvaire. À la croix. Soit ma gloire à jamais. Jusqu'à ce que mon âme enlevée trouvera du repos. Alléluia. Amen. De l'autre côté de la rivière. Près de la croix.